Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question que je me suis posée et dont j'ai débattu avec des amis, c'est qui gagnerait une guerre entre sorciers et moldus? Bon, déjà, on va se dire pourquoi une telle guerre se déclencherait. Après tout, les moldus ne connaissent même pas l'existence des sorciers, mais imaginons que les moldus la découvrent de manière globale, ce qui serait aujourd'hui possible avec les nouvelles technologies. Il suffit qu'il se passe un événement magique, que quelqu'un filme avec son téléphone et qu'il diffuse en direct sur YouTube, sur Facebook, et des millions de personnes le voient. Et là, pour effacer ça de la mémoire de tout le monde, ça devient vachement plus compliqué. Du coup, donc imaginons, ouais, les Moldus découvrent l'existence des sorciers. Là, on peut imaginer panique. Des sorciers, des gens avec des pouvoirs, ça déclenche la panique. Et du coup, que cette peur finisse par déclencher un conflit n'est pas impossible. Donc, si un tel conflit se déclenchait, qui le gagnerait? On pourrait penser que les sorciers auraient un avantage certain. Après tout, ils possèdent la magie. Ça leur donne un énorme avantage sur les Moldus, ces pauvres humains sans magie. Mais il faut relativiser cet avantage pour plusieurs raisons. Déjà, les sorciers n'ont pas tous la puissance d'un Voldy ou d'un Dumbledore. Beaucoup ont des pouvoirs assez limités, et tu les confrontes à un temps qui ne pourrait pas faire grand-chose. Car en effet, les Moldus ont l'avantage de la technologie. Un armement très sophistiqué, un char d'assaut, ça peut te tuer un sorcier. Je pense quand même, la plupart des sorciers ne peuvent rien faire face à un tank. Face à des armes nucléaires, tu rases Poudlard. Bref, la technologie va quand même donner aussi un avantage aux humains, va aussi donner un avantage aux moldus. Et ensuite, en plus de la technologie, les moldus vont avoir un avantage impressionnant, c'est le nombre. En effet, les moldus sont vachement plus nombreux. Si on essaie de faire une estimation de la population de sorciers, on peut essayer de s'appuyer sur le nombre d'élèves à Poudlard. On n'a pas de chiffre précis, mais on a des moyens d'estimer. On peut estimer que, grand maximum, on est à 1000, puisque dans les livres, on voit un moment, il y a un match de Quidditch, où Harry dit qu'il y a environ 200 élèves dans le gradin de Serpentard, et vu que quasiment tous les élèves de Poudlard vont voir les matchs de Quidditch, on peut donc estimer que, ils y sont quasiment tous, et vu qu'il y a 4 maisons, 200 x 4, ça fait 800 élèves. Donc même en arrondissant au supérieur, 1000 élèves maximum. Or, si on compare avec le nombre de collégiens et de lycéens en France, qui est d'environ 5 millions, on est à 5000 fois plus. Si la proportion d'élèves chez les sorciers est comparable, et que la proportion de sorciers est environ la même sur toute la planète, nous avons une population de sorciers d'environ 1,5 million grand maximum, c'est-à-dire moins que, par exemple, l'armée régulière chinoise, qui est plus de 3 millions de personnes. Donc une armée d'un seul pays à elle seule est plus nombreuse que toute la population des sorciers, en prenant en compte les retraités, les enfants, les bébés, les infirmes, tout ça, tout ça. Ainsi, devant un tel désavantage numérique, les sorciers seraient vite submergés sur le nombre. Si au début, ils pourraient remporter des victoires grâce à la magie et dominer le début du conflit, rapidement, ils seraient à la fois submergés sous le nombre et sous la technologie. Surtout si les humains, en capturant des sorciers ou en analysant des objets magiques, trouvent des parades technologiques pour soit neutraliser la magie, soit des armes qui peuvent traverser les boucliers magiques, soit un moyen de la diminuer, de la perturber. Enfin, bref, trouver des moyens de contrer les sorciers. Et cela diminuerait donc grandement l'avantage magique des sorciers et les condamnerait à une défaite inéluctable. Donc, à mon avis, ce conflit serait remporté au final par les Moldus. Après un début difficile, quelques mois difficiles, rapidement, ils finiraient par reprendre le dessus par le nombre et par la technologie. Bref, si vous êtes d'accord avec moi, ben, lâchez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous pouvez lâcher un pouce bleu quand même, mais dire dans les commentaires que vous n'êtes pas d'accord et expliquer pourquoi et quels sont vos arguments. Et je serai heureux d'en débattre avec vous et de répondre dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo afin de dire aux gens de vous dire ce qu'ils en pensent. Et si vous ne ratez aucune de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Bref, c'est terminé. Au revoir tout le monde.